au Nicaragua et au Mexique, où j'ai pu aller, des dizaines de milliers de familles vivent grâce au commerce équitable, grâce au café qu'ils produisent. Et non pas grâce à de l'aide, c'est réellement grâce à leur travail. La liberté, c'est d'avoir le choix. Passer par le commerce équitable, c'est une manière d'aider des gens qui en ont besoin. C'est très modeste hein, quand même comme aide, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais il faut bien mettre à un moment donné le pied dans la porte. C'est une couche juste, c'est le retour à la normale. Le label Max Havelaar, le petit logo qu'on retrouve sur des produits comme le thé, le chocolat, le café, les bananes, garantit aux consommateurs que ces produits sont achetés, commercialisés selon les règles du commerce équitable. C'est-à-dire qu'à l'autre bout de la chaîne, des petits producteurs vivent décemment de leur travail. Si nous venons ici, ce n'est pas pour demander de l'aide. Nous venons avec nos produits de qualité que nous présentons aux consommateurs français. Et nous espérons de ce consommateur français de manifester sa solidarité avec nous en achetant notre produit au prix juste. Ça, c'est un bulletin de vote aujourd'hui pour un autre monde. Payer son café avec ça, c'est comme voter pour un monde meilleur où on va respecter celui qui a produit du café, des bananes et du jus d'orange, bientôt du coton. C'est réaliser un rêve. Et c'est une utopie réaliste. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci.